Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette troisième vidéo consécutive d'analyse des prochaines séances, en l'occurrence donc sur des actifs que les clients ont sectionnés hier donc en live trading, mardi 12 juillet, puisqu'effectivement donc les deux précédents mercredis nous étions sur l'Eurostock 50, le Dow Jones, le Patine et Euroyen pour deux séances consécutives. Donc là pour ce mercredi et pour mercredi prochain on aura donc affaire au Bund, donc au Bund à 10 ans, à l'obligation allemande à 10 ans, au silver, donc à l'argent, et puis au Nikkei ou JAP 225, puisqu'effectivement, vous le savez, l'indice japonais, dans ce troisième cas, est composé de 225 actions, de 225 capitalisations japonaises. Voilà. Alors, de la même manière qu'à l'occasion des deux précédents mercredis, je vais garder la même trame technique, c'est-à-dire une grande unité de temps. En l'occurrence, je préciserai si je suis en D1 ou en weekly, c'est-à-dire que je préciserai si chaque chandelier représente une séance ou une semaine d'évolution. J'aurai également l'occasion d'appuyer, je dirais, mon propos via les retracements de Fibonacci, via une moyenne mobile exponentielle de période 200 et un RSI de période 14. Traditionnellement, sur de faibles unités de temps inférieures ou égal au M30, je n'utilise pas la moyenne mobile ou le RSI parce que je considère qu'il risque d'y avoir trop de signaux et donc essentiellement trop de faux signaux. Mais sur des périodes aussi importantes, c'est-à-dire 200 dans le cas de la moyenne mobile, 14 dans le cas du RSI, et sur de telles unités de temps, le D1 et le weekly, à l'image des deux derniers mercredis, eh bien je me permets d'appuyer une partie du propos là-dessus. Pas l'intégralité, mais tout de même une partie. Et puis, bien évidemment, on retrouve le grand classique au niveau du price action, c'est-à-dire les retracements de Fibonacci qui, comme vous le savez, en écho avec les séances quotidiennes, eh bien, cet outil-là me permet de distinguer les grands supports, les grandes résistances à moyen long terme. Alors, on va commencer avec le moins évident, le Bund. Parce que vous le savez, alors là on est sur une cotation un petit peu particulière du Bund, c'est l'Eurobund en réalité. Mais vous le savez, cet actif-là, ici représenté en D1, donc chaque chandelier représente une séance, et bien cet actif-là, le taux allemand à 10 ans, est une sorte d'énorme valeur refuge dans le contexte que l'on connaît actuellement, au même titre que la plupart des obligations suisses ou japonaises. C'est vrai que les deux derniers mercredis, j'ai eu l'occasion quelque part un petit peu d'abattre ce propos-là, mais côté Forex, en parlant un petit peu du Yen ou du CAHF, parce que c'est vrai que je faisais un petit peu le parallèle avec Euro-Yen, dans le sens où la devise Nippon et la devise Suisse ont également, cette fois-ci côté monétaire, côté Forex, ont vocation, je dirais, à faire office un petit peu de valeur refuge dans le contexte que l'on connaît. Et alors, le taux allemand à 10 ans, en réalité, est passé sous 0% pour la première fois de son histoire à l'issue du vote britannique, du Brexit naturellement, mais ça n'est pas en revanche une première côté suisse ou côté japonais, puisque les obligations à 10 ans de nos voisins helvètes ou de nos partenaires nippons, effectivement, ont déjà eu l'occasion de passer en taux négatif sur de telles maturités. Donc là, on est vraiment confronté, je dirais, à des valeurs un petit peu refuges. Alors, quelques commentaires toujours dans ce contexte assez chargé, assez lourd, assez important, c'est que, pour le coup, là, on pourrait avoir affaire au niveau du CFD à une cotation... une cotation de plus en plus haussière, on pourrait trouver ça curieux. En réalité, ça n'est pas à proprement parler, hein, l'obligation, c'est un CFD de l'obligation. Alors, c'est-à-dire que plus le taux réel est négatif, plus on va avoir sa cotation, je dirais, ici représentée sous l'appellation Bund 10Y pour 10 years, pour 10 ans au niveau de la maturité, plus on va l'avoir à la hausse, je dirais, sur cet équivalent au niveau du CFD proposé par XCB. Alors, quelques propos tout de même via ces retracements de Fibonacci. Ils n'ont pas été hyper évidents à mettre en place, puisqu'on est sur un point où historique, ce serait un petit peu la même chose que abattre en ce moment même, je dirais, des retracements de Fibonacci au niveau par exemple du S&P 500, pour faire une parenthèse qui justement est également sur ces points historiques. Donc c'est clair que ça va pas être le plus évident au niveau de l'analyse, d'autant que la moyenne mobile ne va servir à rien, mais j'attirerai plutôt votre attention sur le fait que nous tendons de plus en plus vers des zones de tension au niveau du RSI 14, et donc et je viens surtout distinguer trois cotations qui me paraissent pertinentes de surveiller et pourquoi pas de viser en cas notamment de regain des tensions européennes, alors qui peuvent effectivement être à nouveau exacerbés, vous le savez, par les trois grands dossiers qui sont développés et qui sont mentionnés ces derniers temps
via XTB, tant par Khalil que par moi, c'est-à-dire au niveau des tensions européennes, évidemment, le Brexit, puisque nous allons avoir affaire dans les prochains jours, prochaines semaines, et de manière beaucoup plus rapide que prévu, à l'invocation de l'article 50 par la nouvelle Première ministre Theresa May, côté britannique, qui a été donc qui a été nommée hier, mais en réalité qui prendra c'est aujourd'hui qu'il y a la cérémonie de passation de pouvoir entre Cameron et justement May. Alors je dis plus rapidement que prévu, puisque vous le savez, hein, ça a été une surprise dans le sens où normalement elle aurait dû être nommée, elle aurait dû même plutôt être élue en réalité aux alentours du 9-10 septembre, et comme sa seule rivale Liz Truss s'est retirée de la course, s'est retirée de la candidature hier, May a littéralement gagné un petit peu par forfait, hein, faut le dire. Voilà. Donc premier dossier effectivement qui peut rapidement remettre un peu le feu aux poudrières et donc justifier un nouvel élan haussier vers de nouveaux terrains inconnus, en l'occurrence la cotation de 170.15 via les 161.8 de retracement de Fibonacci de moyen terme, mais autant s'arrêter directement à la valeur symbolique de 170, donc il n'y a pas un grand mérite, je dirais, à utiliser ici les retracements de Fibonacci, puisqu'ils viennent distinguer des valeurs de toute manière qui n'ont jamais été testées. Deuxième grand sujet qui peut effectivement, côté européen, mettre bien sûr le feu aux poudrières, et ça me permet cette vidéo de faire un petit bilan là-dessus, c'est évidemment le dossier du bancaire italien. On verra un petit peu comment Matteo Renzi joue et tente son bras de fer face à Berlin. Je ne reviens pas dans tout le détail, mais bon, pour si vous voulez un peu plus d'informations au-delà des sources d'informations traditionnelles que vous pouvez avoir via les échos, via Investing, je vous inviterai tout simplement également à reprendre l'analyse matinale du 7 juillet 2016, jeudi dernier, au niveau d'XTB, soit via votre boîte email, soit directement sur Tradebit ou notre site xtb.fr. Bon. Troisième et dernier dossier, alors qui cette fois-ci pour le coup d'ailleurs n'est pas européen, mais je dirais plutôt chinois. On a eu de mauvais chiffres, j'aurai l'occasion d'en reparler cet après-midi en live trading, j'aurai un peu plus de temps, ce sera un peu plus le propos. On a eu de mauvais chiffres cette nuit qui restent à confirmer au niveau de la diffusion du PIB chinois. Vous le savez, en tout cas pour les clients, parce que j'ai eu le temps et l'occasion d'insister là-dessus ces dernières heures, ces dernières séances, nous aurons donc ce PIB chinois pour le deuxième trimestre 2016 à l'occasion de la nuit de jeudi à vendredi. Je dis de la nuit parce qu'évidemment il y a le décalage horaire et qui peut littéralement mettre un peu le feu aux poudrières baissières pour les matières premières énergétiques et alimentaires, et par corrélation, par contagion plutôt, mettre le feu aux poudrières au niveau des indices occidentaux et surtout des plus fragilisés actuellement parmi eux, à savoir les indices européens, et d'où justement en cas de fuite sur le DAX 30, eh bien un certain regain d'intérêt pour les valeurs refuges qui ont été évoquées ici sur les obligations allemandes, obligations helvètes et plus loin de nous, je dirais, géographiquement parlant, obligations japonaises. Bon, donc ce Bund à 10 ans, effectivement, en cas de nouvelle explosion des tensions européennes, et je renverrai également là aussi à l'analyse d'hier matin et de ce matin. Hier matin, j'en étais l'auteur, ce matin c'était Khalil, où justement on renvoie un petit peu à ces différents sujets. Bien effectivement, c'est vrai que tant que nous ne cassons pas ce support clé au niveau où de cet actif, ce support clé des 166.60, à savoir des 100% de Fibonacci de moyen terme, eh bien je n'aurais pas tendance à considérer que nous revenons, je dirais, sur un propos, sur des tensions un petit peu calmées, sur des tensions un petit peu oubliées, sur des tensions un petit peu, zappées, ou du moins qui ont pu trouver un semblant de résolution, un semblant de solution. Bien au contraire, l'un des grands indicateurs qui permet un petit peu à l'image de la cotation de l'or en tant que valeur refuge, cette fois-ci minière, l'un des arguments qui permet de voir un petit peu comment se comportent les flux financiers et voir un petit peu où va l'argent, c'est de constater que des obligations comme l'allemande, comme la suisse ou la japonaise sont au plus bas de leur histoire, et de voir l'or qui reprend des couleurs. Donc, même si les indices occidentaux font l'air de rien, je dirais, de manière temporaire, un petit peu oublier les risques européens grâce aux espoirs monétaires et grâce au fait que Theresa May a été nommée plutôt hier. Mais effectivement, on peut se rendre compte de la fragilité de tout cela et qu'il faudra très 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 peu de choses pour remettre le feu aux poudrières. Ça n'est pas les dossiers inquiétants qui manquent.
Bon, là, d'une manière générale, je renverrai tout simplement à la dizaine, quinzaine de dernières analyses matinales. Ce n'est pas les sujets qui manquent, lequel explosera en premier, c'est un peu la question. Toujours est-il que tant que nous nous reposons sur ce support de 100% de Fibonacci au moyen terme, eh bien, je pense qu'on a un joli potentiel jusqu'au 161.8 de Fibonacci, donc jusqu'à la cotation de 170. J'indique rapidement les points qui m'ont servi pour tracer ces Fibonacci-là. Il s'agit de les bâtir en D1 sur la cotation supérieure, de l'ombre supérieure, de la séance du 29 février. Et donc ça c'est pour le début de la tendance primaire baissière qui a été distinguée, et de relier donc le point bas, la mèche inférieure, le point bas de la mèche inférieure du 10 mars 2016. Très peu de temps se sont écoulés entre les deux séances, énorme gap, provoqué à l'occasion du démarrage de la séance du 3 mars. Voilà, donc clairement j'attire votre attention là-dessus, et également j'aimerais distinguer cet énorme chandelier sur lequel j'ai ma croix, mon curseur, c'est évidemment la séance du 24 juin, vendredi 24 juin, le lendemain du Brexit. Voilà, dans un premier temps, énorme gap haussier, et puis dans un second temps, à l'image des indices occidentaux comme le DAX justement, qui se sont redressés tout au long du 24 juin, eh bien le Bund est légèrement parti à la baisse, et là on retrouve des cotations un petit peu de mi-séance actuellement, avec les cotations actuelles de 166-167, de mi-séance du 24 juin. Voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de séance qui distingue très clairement une explosion des risques, une explosion des tensions, et qui pourrait à nouveau, rapidement, je dirais, se reproduire au profit de cet objectif indiqué là. Cet objectif, encore une fois, n'est pertinent et reste d'actualité, ne devient pas obsolète tant que les 166.60 ne sont pas rompus. Voilà. Alors, le hasard a voulu, au niveau du sondage proposé hier aux clients, qu'en réalité, une deuxième cotation de valeur refuge soit validée par les clients, à savoir l'argent, le silver. Alors certes, en tant que valeur minière, on ne retrouve pas forcément le même poids, le même intérêt que celui exprimé par l'or à l'occasion des explosions des tensions régionales ou mondiales. Malgré tout, c'est vrai que l'argent présente de manière un peu moins évidente, de manière un peu moins flagrante, cet aspect tout de même de valeur refuge, même si c'est un poil moins vrai que dans le cas de l'or. Voilà. Mais bon, comme il s'agit quand même de traiter le mercredi à 13h via ces séances-là des actifs un peu exotiques que nous n'avons pas l'occasion avec Alil de traiter en séance quotidienne, je n'ai pas souhaité proposer l'or. Donc déjà, premier commentaire, nous sommes ici en weekly. Chaque chandelier représente une semaine d'évolution. J'abattrai l'essentiel de mon propos sur le silver en D1, mais d'abord je tiens à préciser que mes retracements de Fibonacci, contrairement au Bund, eh bien mes retracements de Fibonacci sont ici distingués sur une amplitude et sur une zone temporelle beaucoup plus large. Point haut, là aussi bâti sur les ombres, sur les mèches, point haut de la mèche de la semaine du 24 avril 2011. Point bas, beaucoup plus récent, mèche inférieure de la semaine du 13 décembre 2015. Voilà, tendance primaire baissière. Quelques commentaires tout de même en weekly, même si l'essentiel sera abattu en D1. Déjà, nous avons eu à l'occasion de la semaine du 26 juin 2016, donc il y a littéralement à peu près deux semaines. Un peu plus de deux semaines. Bon, nous avons eu une golden cross, c'est-à-dire le passage de la moyenne mobile exponentielle 200 en weekly. Donc déjà, ça fait deux énormes périodes. Période temporelle weekly, période d'application de la moyenne mobile, de calcul de la moyenne mobile 200. Donc c'est pas n'importe quoi comme signal. Hein. Des signaux comme ça, il n'y en a pas des masses. Mais une golden cross, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un signal d'achat très puissant. C'est un signal qui permet de distinguer un croisement entre le prix et la moyenne mobile ou entre deux moyennes mobiles. Bon, ici c'est entre le prix et la moyenne mobile. Un croisement qui en l'occurrence fait passer la moyenne mobile en dessous du prix. Bon là, je renverrai tout simplement sur la troisième vidéo de formation du programme de formation habituel qui s'intéresse, comme le titre l'indique, aux moyennes mobiles. Bon. C'est un grand classique, c'est un béaba, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc, passage de la moyenne mobile en dessous du prix, ce qui vient distinguer un puissant signal d'achat. Je rappellerai simplement que la dernière fois que nous avons eu une golden cross de cette nature-là, c'est-à-dire en EMA, en moyenne mobile exponentielle 200, et en weekly, c'était à l'occasion de la semaine du 19 juillet 2009, c'était il y a 7 ans,
presque jour pour jour. Le hasard veut que ce soit presque jour pour jour. Le silver coté, l'argent coté à ce moment-là à la cotation de 1381. Nous avons connu un point haut qui justement m'a permis de distinguer les Fibonacci, le début des Fibonacci, à une valeur proche de 50. Donc on est passé de 13,7 à 50. Autrement dit, la valeur a été pratiquement multipliée par 4. Je ne dis pas que la Golden Cross qui vient de se former il y a 2 semaines va nous permettre de distinguer dans les 2 prochaines années, ou plutôt dans les 18 mois, à l'image de ce qui distingue la Golden Cross précédemment évoquée d'avril 2011, je ne dis pas que nous allons avoir une valeur multipliée par 4, mais je dis que ce type de signaux sont tellement rares qu'il convient quand même de s'attarder un petit peu dessus. À l'inverse, la dernière Dead Cross, que nous avons eu, donc le dernier signal baissier, là aussi distingué évidemment par un croisement entre l'EMA 200 et puis le prix, mais cette fois-ci avec une EMA qui passe au-dessus des cotations, eh bien c'était à l'occasion de la semaine du 7 avril 2013. Donc vous voyez qu'on n'en a pas tous les jours quand même de ces niveaux-là, et là ça a permis de distinguer au niveau du plein potentiel une division par 2 du prix, c'est-à-dire qu'on est passé de 27,40 globalement à 13,60. Voilà. Bon, donc déjà on a un signal très puissant, très rare. Alors, ça c'est le premier propos. Malgré tout, j'aimerais le réduire, amenuiser un peu son propos, sa violence, sa virulence, par le fait que dans le même temps, nous sommes en très net excédent haussier, en très nette accélération haussière, en très net, c'est pas excédent, pardon, le terme qui convient, c'est excès, tout simplement, en très net excès haussier, puisque nous sommes avec un RSI qui est distingué ici, clairement en zone de surachat, toujours en weekly, et au travers d'une valeur de 76. Je rappelle que la zone de surachat d'un RSI définie par défaut en période 14, la zone de surachat se distingue entre 70 et 100. La période de survente, la zone de survente plutôt, entre 0 et 30. Voilà. Là, je renvoie évidemment aussi aux vidéos de formation, en l'occurrence ça doit être la 4e ou la 5e qui est distinguée sur le programme de formation. Bon, je zoome en D1 comme prévu. On va retrouver évidemment un nombre de Golden Cross et Dead Cross supérieur en D1 qu'en weekly, puisque nous avons un petit peu zoomé. Certains distinguent des faux signaux, je pense notamment à la Dead Cross du 26 février 2016. Bon, pour autant, s'il fallait affiner un peu le propos, la Golden Cross en réalité a été, la dernière en tout cas, a été distinguée en D1, donc là on n'est plus en weekly, le 6-7 avril 2016. Bon, depuis on est passé de 15 globalement à 20 en termes de cotation, ok? Donc déjà plus 33% de progression, plus un tiers. Bon. Toujours est-il que l'on soit en D1 ou en weekly, le propos au niveau du RSI est sensiblement le même. Nous sommes dans les deux cas globalement en zone de surachat, mais surtout l'objectif le plus proche en termes de résistance. Il fallait maintenir cet aspect de valeur refuge qui a été distingué sur le bund, qui a été distingué également sur obligations, sur les obligations pour l'allusion, pour l'analogie, je dirais, avec le côté les obligations suisses ou nippon en parallèle du bund allemand qui a été distingué tout à l'heure. Eh bien, si nous devions garder cet aspect de valeur refuge par rapport à ce contexte économique, politique, inquiétant, sans représenter tout ce que j'ai indiqué tout à l'heure ou rappelé tout à l'heure, eh bien quelques indications. La résistance la plus proche et la plus pertinente en guise d'objectif est distinguée à 22,18 naturellement. Nous sommes tellement proches des 22, de la valeur psychologique de 22, que j'aurais tendance en guise de take profit de proposer une valeur inférieure à 22, de crainte que nous ayons un pullback à l'approche de cette résistance-là, bien entendu typiquement 21,50, 21,80. Quelle serait la résistance supérieure et quel serait le niveau supérieur en cas, à nouveau, comme on l'a vu sur le bund, d'une nouvelle poudrière, notamment européenne, qui viendrait exploser, qui viendrait inquiéter. Et pourquoi pas, d'ailleurs j'en ai très peu parlé, mais pourquoi pas de Bundesbank, hein, pour là aussi l'allusion aux dernières analyses, aux dernières séances matinales et en live trading d'après-midi. Mais la seconde résistance la plus proche, la plus intéressante au niveau des retracements de Fibonacci, serait distinguée après les 22,18, serait distinguée à 27,45. Donc globalement, là, il ne s'agit plus d'arrondir sur la lentille naturelle inférieure, mais directement sur les 27,50 en réalité. Donc on pourrait viser de manière plus réaliste avec un take profit second, avec un deuxième take profit, hein, ce qu'on appelle un TP2. On pourrait viser directement les 27,20, 27,10, s'arrêter un petit peu avant. Pourquoi pas pour les plus conservateurs, même en dessous de 27, par exemple 26,80. Voilà. Voilà un petit peu les deux grandes résistances qui pourraient nous intéresser en cas de maintien et de respect de cette Golden Cross. Et malgré le
fait que le RSI nous indique une zone de surachat. Comment tenir compte de cette information tout de même au niveau du RSI? Eh bien, tout simplement, peut-être en appuyant de manière assez faible au niveau des volumes sur le silver, c'est-à-dire qu'on pourrait respecter ce contexte explosif, attendre tout de même une actualité permettant de justifier le fait que la poudrière reprenne feu. Est-ce que cela viendra du PIB chinois? Est-ce que ça viendra du secteur bancaire italien, de la Bundesbank côté allemand? Est-ce que ça viendra de l'invocation de l'article 50 par Theresa May côté britannique? Là, personne ne peut le savoir, mais dès qu'une de ces informations sera évoquée, ou peut-être même une autre qui n'est même pas évoquée ici, tant elle peut être imprévisible, n'oublions pas le contexte très chargé niveau attentat, par exemple, que nous avons, mais effectivement, c'est vrai que on pourrait légitimement s'attendre à valider en guise d'objectif de valeur refuge ces deux niveaux-là, qui ne sont pas si lointains, qui n'ont rien de bien surprenant quand on prend un peu de hauteur et que l'on revient en weekly, puisqu'il s'agirait tout simplement de revenir sur des cotations de février 2014 pour le premier objectif et d'avril 2013 pour le deuxième. Et sachant que les cotations actuelles constituent, quand on dézoome véritablement, plutôt une tranche basse, plutôt un niveau bas au travers de la cotation de 20, 21, 22 depuis le début de la crise et notamment la chute de Lehman Brothers, voilà, que l'on s'attarde à celle-ci, que l'on s'attarde à la crise des subprimes, que l'on s'attarde même, pourquoi pas, à 2011 avec la crise des dettes souveraines, notamment en Europe, et bien peu importe, depuis 2007-2008, force est de constater que on a systématiquement distingué des cotations, quasi systématiquement distingué des cotations supérieures aux cotations que l'on connaît actuellement. Donc on est plutôt sur une tranche basse, voilà. Voilà pour l'argent. Mais encore une fois, peut-être que le propos au niveau des volumes serait un peu plus faible, c'est-à-dire qu'il conviendrait quand même de respecter un peu l'appel à la prudence lancé par le RSI en n'appuyant pas trop trop fortement au niveau des volumes s'il fallait valider une nouvelle poudrière en feu, quel que soit l'élément de déclic, quel que soit le pyromane qui cherchera à lancer, je dirais, son briquet dans la poudrière. Voilà. On revient en D1, cette fois-ci donc sur le troisième et dernier objectif pour lequel vous avez voté. Troisième et dernier, non pas objectif, lapsus, mais actif tout simplement, sous-jacent, à savoir le Nikkei, l'indice japonais, le JAP 225. Alors déjà, particularité très très importante à mentionner, les horaires de cotation. Les horaires de cotation de cet actif-là, c'est littéralement en pleine nuit. Je vous rappelle qu'on est par définition sur une séance asiatique ici, donc attention, on ne peut pas traiter, je dirais, quand on le souhaite par rapport à nos considérations horaires, ce genre d'actif. C'est également vrai pour le Kospi 200, l'indice phare coréen. Donc méfiance, il faut quand même s'ajuster un petit peu. N'oubliez pas que quand un actif est fermé, on ne peut même pas mettre d'ordre différé. Parce qu'un ordre différé, un ordre en attente d'exécution, je sais que c'est pas intuitif, mais ça reste un ordre boursier dont il faut tenir compte. C'est pour ça aussi qu'en cas de gap d'ouverture, un ordre différé, quel que soit son point d'entrée, ne peut être exécuté qu'à la première cotation disponible. Voilà. Bon. Alors, quel que soit son prix d'entrée, si ce prix-là est évidemment avalé par le gap, sous-entendu. Bon. Alors, quelques considérations tout de même. À l'image un petit peu de ce qu'on a pu voir ces deux derniers mercredis, nous sommes sur un actif qui ici reste capé et de manière absolument splendide par la moyenne mobile exponentielle 200, je dis de manière absolument splendide, en regardant et en voyant cette séance du 22 avril 2016. Le point haut exact de la séance a été parfaitement capé par cette résistance dynamique, parce que finalement, une moyenne mobile, ça n'est rien d'autre qu'une résistance et un support dynamique. Une résistance, c'est un support qui se met à jour par définition à chaque nouveau chandelier considéré par unité de temps. Ici, nous sommes en D1. Bon, de toute manière, s'il y a le moindre doute sur l'unité de temps sélectionnée, vous le savez, il faut regarder en haut à gauche de mon écran, vous voyez l'unité de temps. Donc, nous sommes malgré tout encore sur cette trame à la fois plutôt d'orientation baissière à moyen terme, depuis globalement le premier semestre, le début du premier semestre 2016, fin décembre 2015, début janvier 2016. N'oublions pas que l'énorme démarrage baissier des indices mondiaux en janvier 2016 a été justifié par un PMI manufacturier chinois absolument exécrable. Alors, par proximité géographique et économique, le Japon a été l'un des premiers concernés, et ça justifie parfaitement justement cette tendance primaire baissière qui est distinguée ici par les retracements de Fibonacci, là aussi sur ombre, donc là aussi sur mèche, via la cotation haute du 1er décembre 2015 et via la cotation basse du 12 février 2016.
1er décembre 2015, 12 février 2016, tendance primaire baissière, donc toujours pareil, j'ai du coup mon 100% de Fibonacci visuellement en haut et mon 0% en bas. 0% de Fibonacci qui d'ailleurs a été parfaitement respecté et parfaitement invalidé, je dirais, par la fameuse séance du vendredi 24 juin, par la fameuse appréciation des volumes japonais face à la menace de Brexit. Nous n'avons pas cassé ce support qui semble donc titanesque de 14 830. Bon. On est à la croisée des destins au niveau du Nikkei. Un petit peu à l'image de beaucoup d'autres actifs, je dirais d'autres indices occidentaux, eh bien on va retrouver quelques caractéristiques communes ici avec le Nikkei. En réalité, depuis le 1er janvier, nous sommes littéralement dans un range qui se distingue entre les 0% de Fibonacci et les 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que littéralement, depuis la claque infligé au Nikkei depuis le 1er décembre, mais surtout depuis l'apparition de la Golden Cross à l'occasion de la fameuse séance, la première séance de l'année qui n'est pas le 1er janvier, mais qui est le 4, et je dirais même depuis la fameuse nuit du 3 au 4 janvier 2016, ce qui est une nuit pour nous par décalage horaire et considéré, enfin consisté en fait, était littéralement la première séance de travail au Japon, le premier jour ouvré, je devrais dire, au Japon, le lundi 4, et bien c'est pendant cette nuit-là, c'est pendant cette fameuse nuit-là qu'a été diffusé, qu'a été présenté le fameux PMI manufacturier chinois. Donc en fait, cette Golden Cross est apparue à ce moment-là, et depuis cette énorme baisse, et bien le marché au mieux a réussi à retrouver 50% de ses couleurs, 50% de la variation. À l'image d'un gap, on dirait que le marché aurait comblé seulement la moitié du gap. Et bien là, c'est pareil. Depuis cette énorme claque baissière, depuis ces risques, notamment asiatiques, mais pas seulement, et bien le marché japonais, globalement l'indice phare japonais, n'a dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, comblé que 50% de l'énorme baisse qui lui a été infligée. Et bien justement, on est à la croisée des destins ici, parce qu'on est à la moitié de ce scénario-là. On est en plein milieu du range entre la cotation de 16 060 points que nous allons évidemment résumer à 16 000 points, qui est à la fois une valeur psychologique bien sûr, mais surtout une valeur technique, distinguée par les 23,6 euros transmis de Fibonacci. Et vous remarquerez à quel point ce support a été extrêmement fiable, tant il y a de points de contact en D1. On peut s'amuser également à le voir en H4, donc où chaque chandelier représenterait 4 heures d'évolution, ce serait le même propos. Et puis du coup, même son cloche pour les 38,2 de Fibonacci, à savoir la cotation de 16 820. Là, on ne retrouve par contre pas cet aspect de valeur refuge, de valeur psychologique, excusez-moi. On ne retrouve pas donc une valeur ronde, on n'est pas sur du 17 000, du 16 000, du 18 000. On est sur une valeur plus technique via les 38,2, mais qui fait office de résistance tant il y a de points de contact et qui est bien distingué par les Fibonacci. Alors là, du coup, on n'est pas du tout sur une valeur refuge comme pouvait l'être, je dirais, le silver ou le bund. On est sur un indice boursier. Qui dit indice boursier dit plutôt valeur agressive, valeur spéculative, et qui est censé refléter, je dirais, l'état de l'économie nippone. Bon, ça c'est totalement faux, hein. C'est évidemment en théorie, hein. Les indices boursiers sont censés refléter l'économie réelle des pays, ça c'est vrai sur le papier, en réalité c'est un énorme mensonge, c'est totalement faux. Moi je dirais que ça reflète plutôt l'état de la politique monétaire en réalité d'un pays ou d'une zone, mais bon. Donc on est à la croisée des destins. Hier justement, le point bas, et vous le remarquez, c'est magnifique, le point bas d'hier et le point haut d'avant-hier, c'est exactement les 23,6 euros tracement de Fibonacci. Je ferai le même propos que pour les deux autres actifs, mais évidemment en considérant la tendance inverse. Pour m'intéresser à ces grands retracements de Fibonacci, à ces grands supports, à ces grandes résistances sur le Nikkei, j'attendrai que la poudrière reprenne feu. Quel que soit le sujet. Idéalement, si ça pouvait être au travers du PIB chinois, ça ferait nos affaires, parce que à l'image, donc PIB chinois, que je le rappelle, sera diffusé dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi, puisqu'à l'image du PMI manufacturier diffusé dans le courant de la nuit du 3 au 4 janvier, on serait confronté ici à une appréciation beaucoup plus forte que dans le cas des indices occidentaux, puisqu'il y a évidemment, encore une fois, une proximité géographique et économique que nous n'avons pas forcément avec la Chine, que nous avons, mais de manière moins forte, moins évidente. C'est du bon sens. Bon, donc j'attendrai que les poudrières reprennent feu, évidemment. Par contre, j'adopterai le comportement en termes de trading exactement inverse à
celui des valeurs refuge évoquées précédemment. Donc, en cas de mauvaise nouvelle, naturellement, le premier objectif pour moi serait de m'arrêter un peu avant les 16 000 points, et pourquoi pas, en distinguant, dans un deuxième temps, les 14 830. Alors, c'est peut-être un peu excessif comme deuxième objectif, et moi, je vous propose, comme toujours, que l'on vienne compléter un petit peu, que l'on vienne distinguer, en tout cas, des objectifs intermédiaires qui, eux, doivent être tracés manuellement, parce que les Fibonacci, oui, nous mâchent le travail pour peu qu'ils soient bien définis au niveau du point haut et du point bas, mais ils ne font pas tout, ils ne distinguent pas tous les niveaux, tous les objectifs, tous les supports, toutes les résistances. Ça serait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Ce serait un peu trop beau. En réalité, je pense que entre les 23.6 et les 0% de Fibonacci, entre ces deux grands supports de moyen terme, nous pouvons distinguer au moins trois grands supports, je dirais, voilà, que voici, que je trace en même temps que vous, que je vais distinguer à 17 580, 15 450 et 17 000, hein, pas du tout, hein, c'est le premier, excusez-moi, je vais les reprendre dans l'ordre, c'est 15 000 et non pas 17 000, c'est 15 785, bon, de toute manière, vous les voyez en bas à droite de l'écran, 15 450 pour le deuxième et 215, voilà. Ne vous fiez pas à 214, on s'en moque, hein. On n'est pas au point près, hein, sur un actif qui cote, qui a une telle capitalisation, une telle valorisation plutôt. On est sur des ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'en réalité, moi, ce troisième support qui m'intéresse, c'est plutôt les 15 200. C'est pas 15 214 ou même 215, c'est plutôt l'ordre de grandeur. À l'image des 15 450, là, c'est facile parce que bon, il y a indiqué 49, mais là, on peut se permettre d'arrondir au point au-dessus. 15 785, effectivement, là on renvoie tout simplement à 15 800. Pour les tracés, j'ai tout simplement fait apparaître des lignes horizontales au hasard que j'ai affinées via les points de contact majeurs, via les poches d'accumulation du prix. Je pense dans le premier cas à cette zone du 9 février au 1er mars, complété par la suite par une deuxième poche du 5 avril au 12 avril, alors vous l'aurez compris, sur point haut de corps et d'ombre, et respectivement sur point bas de corps et d'ombre, des chandeliers ici en D1, et enfin une troisième et dernière poche du 14 juin jusqu'au 22 juin. Bon, même son de cloche pour le deuxième support, hein, c'est à peu près sur ces trois poches-là, mais sur des niveaux inférieurs, et enfin, pour le troisième support à 15 215, en réalité, c'est donc tout simplement les points de contact de la troisième et dernière poche de juin jusqu'à nos jours actuellement qui mettent intéressé, c'est très visuel. Bon, voilà un petit peu les objectifs que j'aurais tendance à respecter en cas d'explosion baissière, en cas de nouvelle poudrière qui prend feu. Maintenant, concernant les résistances de cet indice-là, c'est vrai que de la même manière, entre 23.6 et 38.2, bon, ben, on a plusieurs niveaux intermédiaires assez intéressants. En cas tout simplement de non-explosion dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'une nouvelle petite crainte, et donc en cas de faux maintiens, je dirais, des faux espoirs monétaires soutenus ici plutôt par la banque centrale japonaise. Bon, quelques niveaux intermédiaires, alors peut-être qu'on aurait ici une quatrième, non, ça ira, j'allais dire une quatrième résistance, non, je vais tout simplement distinguer entre 16 000 et 16 800, donc entre 23.6 et 38.2, les cotations de 16 200, 16 425 et enfin 16 615 pour le même propos qu'au travers des différents supports distingués précédemment. Je ne vais pas indiquer toutes les poches, mais vous l'aurez compris, j'ai relié tout simplement ce qui me paraissait le plus pertinent en termes de points de contact. Voilà les niveaux intermédiaires qui viennent distinguer de part et d'autre, je dirais, des zones à mi-chemin entre les grands retracements de Fibonacci. Voilà la trame qui va m'intéresser pour ces prochaines séances, pour ces prochaines semaines, et pour laquelle j'aurai l'occasion de faire un point, un bilan, je dirais, mercredi prochain, donc en l'occurrence, mercredi 20 juillet, évidemment, puisque le sondage qui a eu lieu hier, naturellement, distingue les actifs qui seront scannés pour deux séances, celle d'aujourd'hui et puis celle de mercredi prochain, à l'image des deux précédentes vidéos qui traitaient des quatre mêmes actifs, Eurostock 50, Dow Jones, Platine et Eurien, mais d'une semaine à l'autre. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre présence, votre fidélité, et naturellement, on se donne donc rendez-vous à 15h15, pendant le live trading de cet après-midi. Petit rappel, demain, évidemment, fête nationale française, je ne vous apprends rien, 14 juillet, donc il n'y aura
aucune séance matinale, pas de live trading, pas de good morning market, pas d'analyse, pas de trade vite, mais il y a toujours une permanence commerciale et technique chez XTB si jamais vous avez besoin en tant que client ou même en tant que prospect, pourquoi pas si vous voyez cette vidéo, de nous appeler. Voilà. Tous les actifs coteront cependant. Je m'attends à une volatilité assez traditionnelle parce que comme les quelques traders français qui ne seront pas actifs de toute manière via Paris distinguent une place financière de second plan face à des places nettement supérieures en termes de volume boursier comme peuvent l'être Francfort, Londres ou même évidemment New York, je ne m'attends pas à une baisse significative des volumes boursiers demain, très sincèrement. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir un jour férié côté britannique ou côté américain s'il fallait une proportion. S'il fait une comparaison récente comme a pu l'être justement le lundi 4 juillet via le jour férié américain, l'Independence Day. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre présence. Rendez-vous à 15h15. À tout à l'heure.